qui jouait le rôle d'Étienne Lantier dans Germinal de Claude Berry. Ah. Petit après-midi trial poursuite. Eh ben oui. Et ils veulent boire quelque chose, tes amis? Ben, il a qu'à leur demander. Ben oui. Est-ce qu'ils veulent boire quelque chose? C'est vrai qu'il en a un peu mené. Pourquoi il rigole? Ouais, les Daft Punk, je comprends pas tout ce que vous dites, mais je le sens quand on se fout de ma gueule. Si seulement tu pouvais écouter et observer tes comédiens, ceux qui te donnent la réplique, tu les écoutes, non? Violette, je veux pas manquer de respect à tes amis, mais j'appelle pas ça vraiment parler, moi, leur truc bizarre, là. Et lui, il croit qu'il est pas bizarre. Bryce DeNice, tu vas te calmer, hein. Ils communiquent autrement, c'est vrai, mais la plupart du temps, ils sont bien plus compréhensibles que toi. Harder, better, faster, stronger. Parce que toi, tu connais Daft Punk. Oui. Pour communiquer avec des personnes ayant des difficultés d'élocution ou troubles du langage. Dialoguer directement avec la personne en se mettant à sa hauteur. Regarder la personne même si son accompagnateur répond pour elle. Parler normalement, pas infantiliser, ne pas tutoyer systématiquement. Prendre le temps d'écouter, d'observer, de comprendre. Laisser la personne terminer ses phrases. Faire répéter si besoin. Il existe différentes aides à la communication. Des aides techniques comme les tableaux de communication à lettres ou pictogrammes et les synthèses vocales, tactiles ou à commande oculaire. Des aides humaines, notamment les assistants de communication.